Magnifiques vacances, n'est-ce pas, Milou? Milou? Allez, viens, il est temps de rentrer au bercail. Je suis fourbu et j'ai une faim de loup. Bonsoir, capitaine. Mmh. Vous avez passé une bonne journée? Excellente. Et vous, bien fatigué? Je suis éreinté, mais heureux comme un roi. Ah, la montagne, vous devriez m'accompagner. Oh non, merci, Moussaillon, les balades, très peu pour moi. On apprend que le DC-3 de la ligne Patna-Katmandou, dont on était sans nouvelles, s'est écrasé dans le massif du Koh Samtan. Ce sont des reconnaissances aériennes qui ont permis de repérer l'épave de l'appareil dans une région désertique et d'un accès extrêmement difficile. Dès la nouvelle connue, une équipe de Sherpas... Pauvres gens, des parents, des enfants, des amis les attendaient. On présume que les sauveteurs arrivent demain sur les lieux. Il reste peu d'espoir. Bon, je vais prendre une douche en vitesse. Pourquoi ne pas préparer le jeu d'échecs en attendant? Bonne idée, Moussaillon, et cette fois, pas de quartier. Ma reine est en danger. Que faire? La protéger avec mon cavalier? Non, mon fou ne serait plus défendu. C'est pas le moment de dormir, essayons de se concentrer. Échec. Échec? Voyons, ma reine, il faut qu'elle batte en retraite. Bien, mais au coup suivant, j'amorce une attaque de flanc par mon autre fou. Comment va réagir l'adversaire? S'il perçoit la menace, il va protéger la tour par un pion. Dans ce cas, je n'hésite pas, je sacrifie mon fou. Mais ce sacrifice ne sera pas inutile, car œil pour œil, je lui prends sa tour, paf, et échec au roi. Je vous demande pardon. Je suis désolé, capitaine. J'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé de mon ami Chang. Il avait survécu à un accident d'avion et appelait au secours. Vous avez rêvé de la catastrophe du journal télévisé? Oui, peut-être. Allons, allons, petit, remettez-vous et allez vous coucher. Vous vous sentirez beaucoup mieux demain. Je crois que vous avez raison. Bonne nuit, capitaine. Ah. Salut, fiston. Mais qu'avez-vous donc? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Toujours des cauchemars? Oui. N'y pensez plus. Regardez plutôt, il y a une lettre pour vous. Elle est arrivée ce matin. Je me demande qui a bien pu m'écrire. Chang! Que se passe-t-il? Chang arrive. Il va rendre visite à son oncle qui demeure à Katmandou au Népal. Et il me dit qu'il nous contactera de là-bas. Katmandou? L'avion qui a percuté une montagne allait à Katmandou. Catastrophe aérienne au Népal. Pas de survivants. Parmi les disparus figure un jeune chinois, Chang Chongjian. Oh, Chang! Mon pauvre Chang! Non, il vit, j'en suis sûr! Hein? Maintenant, je sais pourquoi j'ai fait ce rêve. Lorsque j'ai vu Chang, il était vivant, il m'appelait au secours. Voyons, Tintin! Non, capitaine! Ce rêve n'était pas un rêve ordinaire, c'était un rêve prémonitoire ou télépathique. Attendez! Tintin, où allez-vous? À Katmandou. Katmandou? Tintin, il faut être raisonnable. Même s'il était vivant, comment pensez-vous le retrouver? Capitaine, je sais qu'il est vivant et je pars à sa recherche. Bon, alors vous partez. Et moi, ça m'est égal, car vous partirez seul. Moi, c'est non, non et non. Je vous souhaite un excellent séjour à Katmandou, messieurs. Merci bien, très aimable. Bon,
Le tout est de trouver la boutique de l'oncle de Chang. Elle ne devrait pas être loin d'ici. Hein? Vous ne savez même pas où nous allons. Je sais seulement que c'est dans les environs, mais où exactement, je n'en sais rien. Tout ça à cause d'un rêve stupide. Oh, je ne suis pas une sorte de somnambule, moi. Je regarde où je vais. Ah, attention. Oh, 1 000 000 000 de 1 000 sabots. Vous ne pouviez pas regarder devant vous. Et vous vous laissez dire des choses pareilles, capitaine? Mais... fruits, bons à manger, good to eat, miam miam. Can I stop there, Sahib? Thank you. Ah, les piments au feu! Monsieur Cheng Liqing? Lui-même. Je m'appelle Tintin, je suis un ami de Chang. Je vous en prie, entrez, il sera ravi de vous voir. Chang est ici? Oh. Mon fils Chang Li. Excusez-nous, monsieur, mais il y a confusion. Notre ami se nomme Chang Chang Jen. Vous parlez de mon neveu? Hélas, il est mort à un accident d'avion. Nous savons, oui. Mais justement, je crois qu'il n'est pas mort. C'est impossible, jeune homme. J'ai une lettre de la police, il est mort. Je suis persuadé du contraire et c'est pour ça que je suis là. Je venais vous demander si vous ne connaissiez pas un guide qui consentirait à partir à sa recherche. Je connais le meilleur sherpa de toute la région, mais je suis sûr de sa réponse. Non! Trop dangereux, Sahib. Non, on va pas vouloir risquer 3 vies pour retrouver un mort. Oh! C'est le bon sens même, fiston. Vous avez raison. Je n'ai pas le droit de risquer ainsi plusieurs vies. Bravo! Enfin, vous devenez raisonnable. Je partirai donc seul. Et voilà, tout est prêt. En avant, Milou. Oh, hé, nous soyons. Oh, mais... Il n'y a pas de mais, je pars avec vous, que ça vous plaise ou non. Ça, véritable ami. Oh, ça oui, c'est un chic type. Chaleur. Oh, il fait soif. Besoin d'une pause. Tournesol. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, capitaine, figurez-vous que j'ai perdu mon parapluie. Mais j'en ai ici toute une cargaison. Non, ne soyez pas stupide. C'est du piment rouge. Hein? Ah, il va bien. Il veut moi porter son sac. Non, je ne veux pas que l'on porte mon sac. Je suis encore capable de le porter moi-même. Merci bien. Je n'ai besoin de personne pour porter mon sac. Voilà une rivière à traverser. Il s'agit d'être prudent. Finalement, c'était peu de chose. Capitaine! Hein? Ce n'est pas le bon pont! L'arqué a dit qu'il fallait emprunter le suivant! Oh, 1 000 000 de 1 000 sabots! C'était trop beau! Oh non! Il ne me reste plus qu'à aboyer maintenant. Ne bois pas ça. Et puis après, c'est bon ça. Non, Milou, il ne faut pas. Laisse-nous tranquille. Goûte donc, ça donne du cœur au ventre. Où est passé Milou? Milou? Mais Milou, qu'y a-t-il? Non, Milou, attention!
Il va falloir être très prudent, Saïb. Beaucoup de dangers nous attendent. Ah. Oui, je sais, Tarké. Mais nous devons continuer. Qu'est-ce que c'est, Tarké? Ça, Shorten, Saïb. L'a conservé Cendre Grand Lama. Joli monument, n'est-ce pas, capitaine? Stop, Saïb! Pas hein? Passer à droite du Shorten! Pourquoi? Malheur sur nous si toi passer à droite. Oh. Des mots en colère. À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? Oh. Oh. Toi passer à gauche, Saïd, à gauche! À gauche, je suis très bien, foutis-moi! Sympa, Saïb. Farine d'orge grillée avec thé et beurre. Quel est ce cri? Ça, Yeti. Le Yeti, l'abominable homme des neiges. Ta-ta-ta, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Non, Saïb, pas vent, Yeti. Yeti très méchant. Lui manger yeux et mains, homme par lui tuer. Nous retournons maintenant, Saïb. Non, Yeti ou pas Yeti, nous ne retournerons pas en arrière. J'ai un ami là-haut qui a besoin de moi. Eh bien, Milou, qu'est-ce qui te prend? Alors, toi nous croire maintenant? Nous repartis! Yeti, mangez-nous, Saïd! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges! Alors, comment vous expliquez traces? Ce sont des traces d'ours. Les ours aussi marchent parfois sur leurs pattes de derrière. Non, Saïd, pas ours, Yeti. Oh, et puis tonnerre de Brest, y a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir. Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme! Pas crier, Saïb, toi causé avalanche! Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustieux! Phylloxera, rocambole, cyanure! Courir, Saïb! Anthropopithèque, vampire, poisson! Colocade cannibale! Ça pas joue! Oh non, regardez! Les porteurs sont partis! Nous devoir retourner, nous pas pouvoir porter charge Sherpa! Non, nous prendrons chacun une charge supplémentaire, il faut sauver Chang, Tarké! Regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? Montagne cruelle, Saïb. Ce qu'elle prend, elle garde. Nous camper ici cette nuit, Saïb. Demain, redescendre. Saïb! Saïb! Laissez-le aller, Tarké. Il a besoin d'être seul. Si Chang a survécu, il a dû chercher un endroit où s'abriter. Un creux de rocher. Une grotte. Et voilà. Tout va bien, Milou. Ce n'est que le vent qui se lève. Oh non, mon Dieu, la neige!
débarquer. Non, Saïb. Nous rien pouvoir faire tant que la neige tombera. Espérons que votre ami trouvera un abri. Surtout ne t'éloigne pas, Milou. C'est stupide, nous aurions dû rester dans la grotte en attendant que ça cesse. Demi-tour. Oh non, nos traces sont déjà recouvertes. Qu'y a-t-il, Milou? Ohé, capitaine! Capitaine! Ohé, capitaine! Oh, il ne m'entend pas. Tarquet, il ne sera rien arrivé à Tintin, n'est-ce pas? Montagne très dangereuse, difficile survivre dans tempête sans abri. Cela se calme un peu, on dirait. Écoutez. Oh. Milou, c'est Milou. Nous devons être très prudents, Saïb. Ton maître, qu'est devenu ton maître? Ici, Saïb, tombé dans crevasse. Tata! Tata! Toi, descendre-moi dans crevasse. Allez-y! Surtout, toi, pas lâcher, Saïb. Soyez tranquille, Tarquet. Mais que faites-vous? Oh, Tata! Ah! La corde, capitaine! Ah, content de vous revoir. Je suis vraiment désolé, Tarquet. Oh, mon pauvre Milou, tu es complètement gelé. Comment toi sortir de la Saïb? J'ai fait une chute interminable. J'ai rebondi sur des parois heureusement lisses. Puis ma tête a heurté quelque chose de dur et j'ai perdu connaissance. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai suivi le fond de la crevasse qui remontait en pente douce et au prix de quelques acrobaties, je suis parvenu à en sortir. Vous avez eu de la chance. Imprudent se promener dans tempête de neige. Mais je suivais le capitaine dans le blizzard. Moi dans le blizzard? Mais je n'ai pas bougé de l'épave. Moi non plus, Saïb. Oh. Hein? Le Yeti! Nos vite redescendent vallée. Grand danger sur nous. Mais et Chang, alors? Lui mort, Saïd. Non, justement, j'ai découvert dans une grotte de glace une pierre sur laquelle Chang a gravé son nom. Ah? C'est la preuve qu'il a survécu à l'accident. Chang est vivant, j'en suis sûr. Demain, nous allons chercher Chang. Mais maintenant, nous retournons à Vion. J'ignore où tu es, Chang, mais je te retrouverai. Je te le promets. Partir, Saïb, ou nous mourir gelés. Mauvais temps arrive. Il a raison, allons, mon petit, venez. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Ah!
Regardez, il y a quelque chose de jaune là-haut, sur cette paroi. Une écharpe. C'est la preuve que Chang est vivant. Il nous a lui-même indiqué la route à suivre pour le retrouver. En avant. Non, Sahib. Seul bon montagnard avec chaussures spéciales, cordes et équipement escaladé par roi. Moi, je ne vois rien. Mais alors, comment est-elle arrivée là? Mais où diable ont-ils vu une écharpe? À cause tempête, peut-être. Ou peut-être est-ce que c'est le Yeti? Yeti ou pas Yeti, moi, je continue. Je ne peux pas abandonner sans être sûr. Moi, pas suivre, Sahib. Trop dangereux. Très bien. C'est de la folie, mais je vous accompagne, Moussaillon. De la soie chinoise. C'est sûrement un Chang. Il faut suivre cette piste jusqu'au bout. Allons-y, capitaine. Bon. Prudence, capitaine. Le passage que vous attaquez est très difficile. Tarquet avait raison. Comment voulez-vous que Chang ait grimpé là-haut? De reprendre pied sur cette espèce de rocaille. Doucement, capitaine. Ah, tonnerre de Brest. Ah, c'est inutile, je n'y arrive pas. Pouvez-vous me hisser jusqu'à vous, Tintin? Hélas, non. Au moindre mouvement, nous plongeons tous les trois. Essayez de grimper. Rien à faire, je n'y arrive pas. Je commence à geler au bout de ma ficelle. Débarrassez-vous de votre sac à dos. Il n'y a pas 36 solutions, il faut couper la corde. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mon canif, et allons-y. Capitaine, que faites-vous? Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami. Capitaine, je vous en conjure, ne faites pas ça. Vous ne me ferez pas changer d'avis, mieux vaut une seule victime que deux. Oh, oh, attendez, oh, canif. Prenez le vôtre et coupez cette corde, Tintin! Non, jamais! Ohé! Hein? Ohé! Ah, Tarquet! Tintin, ne bougez pas! Merci, Tarquet. Vous êtes un vrai chic type. Non, Sahib. Moi, marcher vers village, mais moi, penser à toi, toi risquer ta vie pour sauver ton ami Chang. Moi, me dire, moi, poltron, alors moi, faire demi-tour et revenir vers toi. Tempête venir, Sahib. Nous trouver abri ou nous geler. Ici, derrière rocher. Vite, tente, seul espoir pour nous. Viens tenir, moi apporte les pierres pour fixer tant. Motivant de tenir de Brest. Oh, 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 oh. Capitaine! Sahib, lâchez tout! Le Yeti! Sacrebleu, je n'en crois pas mes yeux. Si nous restons ici maintenant, nous gelés, nous devons marcher. Allons, capitaine, vous devez rester en mouvement. Sahib! Sahib doit voir une lamasserie. Debout, capitaine, allez, encore un petit effort. Il y a une lamasserie un peu plus bas. M'en fiche, le monde peut s'écrouler, je ne bouge plus. Il va falloir le porter. Que se passe-t-il? Déesse blanche qui se fâche. Allons, foudre bénie, c'est une avalanche et rien d'autre. Oh, regardez! Foudre bénie a de nouveau une vision. Je vois trois hommes. Non. Deux hommes et un jeune garçon. Le jeune garçon a le cœur pur. Avec lui, il y a un petit chien blanc comme la neige du matin.
cœur pur est avalé par un nuage blanc. Cœur pur est à bout de force. Milou. Il n'y a que toi qui peux nous sauver à présent. Tu vas porter ce billet au monastère et revenir avec du secours. Oh non, malheureux, tu dois remplir ton devoir. Porte le message, Milou. Bah, le message attendra, mais un os pareil, ça ne se rencontre pas tous les jours. Et Tintin, alors, tu y as pensé? Du côté de la déesse Blanche. Nous devons le suivre. Il indique le chemin. Je suis sûrement dans une lamasserie. Tintin. Bienvenue au monastère de Corbillon. Oh, voyageur, mais je croyais que vous étiez trois. Notre ami dort encore, grand précieux. Mais vous n'auriez pas un chausse-pied? Capitaine! Tintin! Tarquet, ça fait du bien de vous revoir. Et quel est ce bonhomme avec le chapeau pointu? Ah, grand précieux, je vous présente le capitaine Haddock. Ce sont ces moines qui nous ont sortis de l'avalanche. Bienvenue à toi, tonnerre grondant, prends place parmi nous. Merci. Grand Sachem. Mais dis-moi, jeune étranger, pourquoi avez-vous risqué vos vies dans nos montagnes? Nous sommes à la recherche d'un de nos amis porté disparu lors d'un accident d'avion. Ah, l'avion qui s'est écrasé près d'ici, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a des lunes. Votre ami est sûrement mort alors qu'il est. Justement, grand mufti, sous prétexte qu'il a rêvé de son ami de chambre vivant, Tata s'est fourré dans la cabache de le retrouver. Et parce qu'il est têtu comme une mule, il a appareillé pour le Népal. Je sais que ça n'a pas l'air sérieux, mais au fond de mon cœur, je sais qu'il est vivant. Ainsi, c'est uniquement par amour pour ton ami de chambre que tu as bravé tous ces dangers? Hélas, ici au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris. Vous voyez, le grand mogol, c'est ce qu'il dit. Il faut regarder les choses en face, Moussaillon. Il faut abandonner tout espoir de retrouver l'ami qui était si cher à ton cœur. Et maintenant, il va falloir que vous nous quittiez. Notre règle nous interdit d'héberger des étrangers à notre ordre. Abandonnez votre quête et retournez dans votre pays, jeune homme au cœur pur. Au revoir, neige du matin. Allez, en route, Milou. Cœur pur, attendez! Vous oubliez ceci. Quelque chose ne va pas? Je vois le museau du yak. Mille sabords, pour moi, il y a un truc. Une photo, vite, sinon on ne nous croira jamais. Une grotte dans la montagne.
Le jeune garçon à qui appartient cette écharpe. Chang! Ah, comment ça marche ce machin-là? Il est étendu sur des branches de genévrier. Mais qui donc s'approche de lui? Je distingue mal. Non! On ne bouge plus? Le Migou! Ah, vite, je l'ai raté! Capitaine, il a vu Chang! Vite, dites-moi, où est-il? De quoi parles-tu? Chang, le garçon que vous avez vu coucher sur des branches. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bon voyage au jeune étranger. Il a vu Chang. Oui, mais Chang mort, Saïm. Cette fois-ci, moi devoir partir. Je comprends, Tarké. Tu as fait ton possible, mais je n'abandonnerai pas si près du but. Alors, bonne chance, Saïm. Le museau du Yak est une montagne près du village de Charabang vers le nord. Foudre Béni a aussi fait allusion à une grotte, puis à des branchages. Ah, vous n'allez pas me dire que vous prenez au sérieux les paroles de cette espèce d'ascenseur. Puis, comme frappé de terreur, il a crié « Le Migou !» Le Migou ? Dans ce cas, il vaudrait mieux que ton ami soit mort. Migou est le nom tibétain de celui que l'on nomme Yeti au Népal. Le Migou ne rend jamais sa proie. Ne t'approche pas du museau du Yak, jeune homme au cœur pur. Maintenant, tout est clair, grand précieux. Merci de vos sages conseils. Si nous nous dépêchons, nous pourrons rattraper Tarké. Allez-y, capitaine, moi je vais vers le nord. 1 000 milliards de 1 000 sabords! À cette excentricité, retournons à Moulazar. Non, je continue. Faites comme vous voulez, mais sachez que si le froid ne vous tue pas, les avalanches s'en chargeront. Et si vous survivez à tout cela, vous tomberez probablement sur cet abominable homme des neiges dont tout le monde parle. Capitaine, enfin, comprenez-moi, je ne puis faire autrement. Allez chercher votre Chang sur la planète Mars si ça vous chante, mais ne comptez pas sur moi. Mais je n'y compte pas. Merci pour tout ce que vous avez fait, capitaine. Et merci d'avoir été un si bon ami. Si vous revenez à la raison, venez me retrouver au Népal. Je vous y attendrai quelques jours. Au revoir, capitaine. Le museau du Yak. Oh, Maradodos! Vous pensiez peut-être vous débarrasser de moi, pas vrai? Capitaine, vous avez changé d'avis? Regardez, là! Le repère du Yeti. Patience, patience, patience. Je commence à en avoir assez, moi. Depuis le temps que nous sommes ici, attendre que votre Migou de malheur veuille bien montrer le bout de son nez. Patience, capitaine. Il va bien finir par sortir. Le Yeti. Tonnerre de Brest. Je le vois, il s'en va. Il a disparu. C'est le moment, je vais aller droit à son repère et délivrer Chang. Bon, tenez, prenez l'appareil photo. Faites le guet et prévenez-moi si vous le voyez revenir. N'oubliez pas de le photographier si vous le pouvez. Oui, j'essaierai. Si vous m'entendez siffler, filez. Tu as de la fièvre. Non, ça va aller. Sors-moi d'ici, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Tonnerre de Brest. Accroche-toi bien à moi. Ah, ça va aller. Tata! Vite, à l'abri.
Qu'est-il arrivé? Une bombe atomique? Nous sommes tous morts? Non, non, capitaine, c'est le Yeti. Venez, venez vite. Mais comment as-tu fait pour survivre, Chang? Quand j'ai pu m'extraire de l'avion, j'ai constaté que j'étais le seul survivant. Affolée, terrifiée, je me suis lancée droit devant moi, mais j'ai dû m'évanouir. Oh. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai cru mourir de frayeur. Ah. C'était le Yeti. Oh. J'ai compris qu'il ne me voulait aucun mal. Au début, il m'a apporté des biscuits qu'il avait trouvés dans les débris de l'avion. J'ai repris des forces et l'idée m'est venue de graver mon nom sur un rocher au cas où quelqu'un viendrait me chercher. Non. Un matin, le Yeti est rentré en coup de vent. Il paraissait affolé. Nous étions très haut au-dessus de la vallée. C'est alors que je compris. Au loin, des hommes se dirigeaient vers la carcasse de l'avion. J'ai crié, j'ai hurlé pour attirer leur attention. Oh, secours! Oh, secours! Par ici! Alors, j'ai dénoué mon écharpe et je l'ai lancée dans le vide, avec l'espoir qu'on la verrait. C'est tout ce dont je me souviens. Jusqu'à ce que j'entende votre voix. Mais dis-moi, Chang, comment as-tu fait pour te nourrir durant tout ce temps? Le Yeti m'a porté des racines et des petits animaux. Il essayait probablement de vous engraisser avant de vous dévorer. Non, capitaine. Je ne le crois pas. Bon, ça suffit. Vous me fendez le cœur. Avec votre histoire. Un instant, que je prenne mon mouchoir. Hein? Le grand précieux. Salut à toi, ô cœur pur. Foudre bénie nous a dit que tu arrivais, et je suis venu à ta rencontre afin de m'incliner respectueusement devant toi. Moi? Mais... Ce que tu as fait, peu d'hommes auraient osé l'entreprendre, au cœur pur. Sois béni pour la ferveur de ton amitié et reçois cette écharpe de soie comme le veulent nos traditions. Permets-nous de te conduire jusqu'à notre lamasserie. Alors, Chang, comment te sens-tu? Tout à fait bien. Je suis impatient de retrouver mes amis. C'est l'adieu du Yeti, Chang. Il est tout seul maintenant. Oui, jusqu'au jour où quelqu'un le capturera. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ne le trouve jamais, car on le traiterait comme une bête sauvage. Et pourtant, je t'assure, Tintin, il a agi avec moi d'une telle façon que je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Qui sait, Chang? Qui sait?